Your Excellency, dear colleagues and dear students, before I switch to French, just allow me to thank you, thank the organizers for inviting me to be the scientific director of this third school of Byzantine Studies. It's a real honor for me, and it's a pleasure to meet again old professors, old ancient professors and friends. So let me switch to French and have a few words on the concerning the content, the scientific content of this school. Cette année, pour la troisième fois, l'Institut du Levant organise son école d'été d'études byzantines. Cela devient donc une tradition et nous espérons tous que ce sera une tradition durable. C'est en effet seulement en s'inscrivant dans la longue ou du moins la moyenne durée qu'on peut d'une part fonder les avancées scientifiques et d'autre part favoriser et instituer des collaborations pérennes. Par ailleurs, quand il s'agit de science, la tradition ne saurait constituer une répétition paresseuse et conservative, ni, pour parler comme les sociologues, un simple habitus. Non, la tradition est par essence critique, c'est-à-dire évaluative et discernante. S'inscrire dans une tradition qui est de recherche, c'est donc s'assurer les moyens d'un constant progrès. Le thème choisi par les organisateurs, et Anna Maria Redoukan est un artisan enthousiaste et extrêmement efficace, donc le thème choisi cette année est « Culture et spiritualité ». Le domaine est, pour ainsi dire, généreux et aussi protéiforme, tant du point de vue méthodologique que thématique. D'où sa richesse. Les exposés que nous allons entendre portent tout aussi bien sur l'art visuel que sur la culture écrite, sur les manuscrits et sur l'imprimerie, la géographie et la chronologie, les lieux, les espaces byzantins comme le palais, le monastère et ou les ports maritimes dans un autre registre. Et nous écouterons également des exposés que j'inscrirai dans une catégorie que j'appellerai confluence. Je me permets de réorganiser un petit peu de façon thématique ma présentation, c'est-à-dire je ne vais pas suivre l'ordre chronologique des présentations, mais je vais essayer de donner un aperçu et donner envie d'écouter ces exposés en vous présentant par groupe ou par sujet. Donc, un premier domaine serait ce ou thème serait celui de la culture écrite, à la fois manuscrite et la production imprimée. Et nous écouterons M. Johan Kroitoru sur l'activité de l'imprimerie de Târgoviște en langue grecque au début du XVIIIe siècle. Et ça sera en roumain. Nous écouterons dans la même rubrique, à notre exposé, nous parlera M. Stratis Papaioanu, nous parlera de Byzantine Literature, Language and Book Culture. Professor Claudia Rapp nous présentera un exposé, toujours en anglais, Daily Life, Religion and Manuscript Studies, Researching Byzantine Prayer Books. Donc, nous sommes toujours dans la culture écrite. Et enfin, notre collègue Andrei Prohin nous parlera de Signs of the End of the World Through History, a reading of the Chronicle of Simeon the Logothet in a Slavic manuscript from Moldavia of the 17th century. Un autre sujet, un autre domaine que j'ai pu identifier, c'est le support visuel. C'est une analyse de différents points de vue des documents visuels. Les inscrits à cette école d'été auront la chance de faire une visite virtuelle au Musée national d'histoire. Visite virtuelle dont le guide sera Dr. Andrea Stéphane.
et son tour virtuel s'intitule Brief Excursus into the Collection of the National History Museum of Romania, from the late Roman Empire to the Phanariotes and beyond. Toujours les aspects, les arts visuels seront abordés par le professeur Athanasios Semoglou, qui nous parlera, qui fera un exposé intitulé The Iconographic Program of the Apse of Bălinești and the Impact of the Constantinopolitan Art in Wallachia. Et enfin, dans un autre registre, mais qui traite toujours de l'iconographie, nous écouterons Ionuț Bada sur Monetary Iconography Talks about the Byzantine Empire, 5th to 12th century. Je disais qu'un autre thème s'organise autour des espaces et les lieux. Et j'en ai identifié au moins trois, le palais, le monastère et les ports. Évidemment, chacun de ces lieux, des espaces byzantins, nous informe sur un pan de l'histoire byzantine. En ce qui concerne le palais, en tout cas, ce que moi j'ai associé au palais, je signale l'intervention de Antonio Pio di Cosmo, The Funeral of Basileus in the 10th Century, The Theology of Power and Material Culture of Royalty. Sur les monastères, nous parlera professeur Zachary Chitwood, Mount Athos at the Center of Byzantine World, et sur les ports, nous écouterons Grigori Simeonov, Harbors on the Western Black Sea Coast from the 4th to 13th century, Politics, Economy and Environment in Southeastern Europe in Late Antiquity and Middle Ages. Un autre thème qui se distingue, celui que j'ai appelé Hagiographie et Chronologie. Et dans ce cadre, nous écouterons Alexandros Alexakis sur Byzantine Hagiography Looking North. Et Adrian Dumitru, cette fois, sur un aspect chronologique, The Wonders of a Wandering Book, The Chronicle of Eusebius of Caesarea and its Importance for the Study of the Chronology of the Antiquity. Et enfin, j'arrive à ce chapitre important cette année, me semble-t-il, peut-être plus important et plus riche que les autres années, et qui, à mon avis, est appelé à se développer encore, et que j'ai appelé, moi, confluence, mais qu'on peut appeler autrement, évidemment, et qui traite des rencontres religieuses, des disputes religieuses, de l'image de l'autre. Et dans ce cadre, nous écouterons plusieurs exposés. Professeur Mihai Dumitru nous parlera Doxology and Rule, Nagoe Basarabin Dialogue with Erasmus, Luther and Machiavelli, which is very interesting comparison. C'est un rapprochement intéressant, donc placer les livres de sagesse de Nagoya Basarab dans le contexte européen. Professor Octavian Negoiță will talk about the articulation of anti-Islamic discourse as reflected in early modern Greek polemical literature, 16th to 18th century. Donc là, nous avons une autre rencontre, une autre forme de rencontre qui est celle de la polémique religieuse, du débat théologique. My colleague Manuela Dobre will speak about the image of Romanians in Byzantine sources of the 15th century. Notre collègue Gina Scarlat nous parlera de the activity of Sevastos Chimenites in the Romanian principalities. Elle parle en français d'ailleurs, j'aurais mieux fait de dire le titre en français, l'activité de Sevastos Chimenites dans les pays roumains.
Et enfin, moi-même, je finirai, je ferai... en fait, non, ça, je ne crois pas que ce soit la dernière, mais en tout cas, le dernier jour, je vous parlerai du Talmud en contexte byzantin. Et donc, j'aborderai un des textes fondamentaux du judaïsme et de la culture juive, mais placé dans un contexte, non seulement dans un contexte chronologique qui lui est propre. En fait, on verra dans quelle mesure le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone se situent, on peut les situer dans un contexte byzantin. Et donc, non seulement d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue du contenu ou du dialogue avec d'autres écrits qu'on pourrait qualifier de byzantins à proprement parler, ou en tout cas traditionnellement considérés comme byzantins. Et donc, voilà le programme. Je ferai une remarque, une conclusion. La culture est par nature diverse et variée, et c'est cette variété qui doit être mise en évidence. Pour revenir à une réflexion personnelle, la question qui se pose à moi, par exemple, c'est comment être byzantinologue en faisant des études juives. C'est une question passionnante, un défi posé à moi depuis l'année dernière, quand j'ai participé pour la première fois à cette école d'été. On découvre des facettes ignorées de son propre domaine d'études, découpées et réinsérées dans un nouveau contexte épistémologique et historiographique. C'est plus qu'un intérêt ou une curiosité, c'est la promesse ou la chance d'un renouvellement. C'est, nous l'espérons, une des valeurs ajoutées de l'école d'été d'études byzantines que l'Institut du Levant nous propose tous les ans. J'adresse mes vœux de succès à nos travaux en cette année 2020. Merci beaucoup.